Eh bien, salut à vous tous, c'est Rexo, et comme promis, on se retrouve pour la review du 7-75045, le Republic AV7 anti-véhicule. Il s'agit donc un des derniers sets The Clone Wars en date, puisqu'il n'aura plus vraiment, vu que la série s'est arrêtée, mais il y a encore une petite exception avec le Battle Pack Senate Commando, qui est déjà sorti dans les LEGO Store déjà présent. Bref, donc il s'agit donc d'un set assez intéressant, qu'on ne trouve pas forcément en magasin, plutôt sur Lego Shop ou dans Lego Store. Mais aussi, on peut le trouver à Carrefour avec un prix vraiment intéressant, 39,90. Donc, si vous avez un Carrefour près de chez vous, vous savez quoi faire. Voilà, donc il contient donc trois figurines, Gentilly et Minifang séparatiste. Eh ben enfin, cette 2014, c'est pas trop tôt, t'en as mis du temps pour comprendre. Bon, je crois que je dois intervenir. Non! Bref, donc maintenant que c'est fait. On va tout de suite passer au personnage. Donc, nous avons donc un Jedi, que vous connaissez certainement tous, c'est Plo Koon. En effet, Plo Koon a encore sa réédition minifig. Mais c'est à peu près nouvelle, apparemment. Je vous montre une comparaison avec l'ancienne figurine de Plo Koon que j'ai eue dans son Starfighter en 2010. Donc, vous pouvez voir que les têtes, les couleurs ont assez. Bah, lui, il est plus clair maintenant que bah, sa tête. Enfin, que la tête de votre Plo Koon. Les sigraphies ont un petit peu changé, je pense, oui. Il y a un petit truc sur la ceinture qui a changé, mais pas plus. Et bien sûr, le truc qui différencie le plus, c'est la sigraphie du dos. On peut voir qu'il n'y en avait pas. Voilà, donc, bah, j'aime bien cette figurine, en fin de compte. Désolé, Plo Koon, mais tu prendras ta retraite. C'est la nouvelle qui te remplace. Et celle qui mourra sur Cato Neimoidia. Bon, maintenant, c'est bon. Bon, et donc, nous avons donc aussi deux autres figurines vraiment très intéressantes que je les aime bien, c'est les clones phase 2 Wolfpack. Et oui, enfin, Lego nous donne des soldats clones Wolfpack phase 2. Il manquerait plus qu'un commandant Wolf phase 2 et ça serait génial. Mais bon, si Lego nous exaucerait un jour un vœu, ça serait bien. Et l'espèce de pré-minifig séparatiste, c'est le druide des casques qu'on connaît à peu près tous, hein, c'est sa version depuis 2013. Alors, le seul truc qui différencie un petit peu, c'est ses pattes. En effet, elles n'étaient pas grises, mais noires foncées. Voilà, c'était tout. Bon, maintenant, on va passer au fait. Donc, le canon AV7 qui est apparu que dans The Clone Wars, sinon pas dans les films. En effet, il a fait une apparition au début du film The Clone Wars durant la bataille de Criss of Sith, et dans un épisode de la saison 2 pour la seconde bataille de Geonosis. Donc ce canon qui est quand même longue portée de tir, il faut vous dire, c'est assez sympa d'avoir un canon artillerie. Parce que les Separatistes, on a un aussi de canon artillerie, vous vous en souvenez, c'est dans le Battle of Geonosis. Donc ce canon, on peut aussi le citer comme un cousin du petit canon sorti en Battle Pack Clone Trooper Cedric Commando en 2012. Vous pouvez voir que la ressemblance est un. Enfin, la forme, ça y ressemble, c'est sûr. Mais bon, après, voilà. Donc, ce canon qui comporte donc 4 pattes, un grand canon et un siège avec une commande. Alors, normalement, il devait y avoir une cabine, mais là, l'écho l'a pas fait. Je pense que c'est mieux parce que ça ferait moche, personnellement. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut faire ce canon. Il peut être en position. Comment? Bah, position dans le combat, on va dire. Et donc, il peut avancer pour se déplacer. Comme ça, l'artillerie pourra se déplacer facilement. Enfin, je suis pas sûr que les vrais canons faisaient ça. On peut voir donc qu'il a des missiles de recharge, donc deux de chaque côté. Parce qu'en effet, il y a un petit missile juste là. Ouais, ça c'est toujours le truc de merde. On peut donc voir qu'on peut mettre un pilote avec une commande. En effet, c'est ce ordinateur que j'ai eu dans ma commande de pick la brique. Voilà. Je vous montre par exemple. Alors, bien sûr, les têtes de clones surtout sont ceux de The Clone Wars, hein, bien sûr. Puis voilà, donc on le met juste là. Voilà, comme ceci. Donc là, il va voilà sur les commandes. Et puis aussi, ce n'est pas tout, il peut aller en haut et en bas. Voilà, grâce à une petite mèche amovible. Voilà, donc il peut aller de haut en bas. Ce qui fait que c'est un bon canon à longue portée. Voilà. Et ce n'est pas tout, il contient donc encore un missile Azro, vert cette fois-ci, non pas rouge que j'ai eu la dernière fois, qui peut tirer. Voilà, il tire assez fort. Là par contre le logo, genre le logo, faites attention parce que le missile peut atteindre sur vos yeux, là oui, il devrait être utile. Ouais. Parce que les petits missiles de merde, ils n'ont pas une longue portée de 3 mètres, hein, pour vous dire. Donc voilà.
Pour dire, je suis vraiment contente d'avoir eu ce canon parce qu'il y a quand même de bonnes figurines assez intéressantes, surtout les clones Wolfpack Phase 2 quand même, qui sont vraiment énormes, je trouve. En plus, c'est des clones inventés dans la série The Clone Wars, hein, personnellement. Ah non, quoique. Bon, enfin bon. Alors, maintenant, on va montrer tout de suite la boîte. Merci. Donc, la boîte, donc toujours le Dark Vador qui va shipper ta boîte, c'est normal. On peut voir que la boîte est comme ça. Alors, par contre, je pensais que la boîte était un peu plus grosse en fait, mais en fait, c'est juste un grand carré. Bizarre. Voilà. Donc, le dos, c'est juste là. Il y a, voilà, il y a. Bon, après, je vais montrer toutes les fonctionnalités qu'il y avait normalement. Si je ne me suis pas trompé. Voilà, donc après, il peut se déplacer, bien sûr, le canon. Enfin, comme j'ai dit, sur quatre pattes. Et puis, voilà. Et bah oui, cette review était un peu courte parce que j'avoue qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur ce canon en fait au final. Mais il y a une chose que je peux vous montrer, c'est Rex du 33 qui m'a demandé si je pouvais lui montrer ma tour Eiffel montée. À mon avis, je pense qu'il n'est pas le seul à demander. Donc oui, je veux bien te le montrer. Donc voilà, donc la belle tour Eiffel qui est assez haute pour vous dire. Elle est plus grande que Big Ben, je vais vous montrer. Hein. Voilà. Donc au niveau architecture, c'est la tour Eiffel qui remporte. Alors dans la vraie vie, oui, techniquement, c'est la tour Eiffel qui bat la Big Ben au niveau de hauteur. Parce qu'elle était la plus grande tour de son époque. Maintenant, bah, vous savez qu'avec les Américains, les Chinois et les Arabes, ils font des grandes gratte-ciel. Donc pour vous dire, ça fait un peu con de voir notre tour Eiffel. Et même, vous savez qu'au Japon, ils ont une sorte de tour Eiffel aussi, une sorte de tour radio, mais qui est plus grand que la nôtre. Enfin, plus grande que la tour Eiffel. Ça, c'est dégueulasse. Enfin, voilà, je te montre la tour Eiffel assez bien faite, je trouve. Franchement, je suis assez fan des Lego architecture maintenant, pour vous dire. Ça me change un peu des Star Wars. Puis surtout, bah oui, c'est fait pour exposer et non pas pour jouer avec. Donc vous pouvez voir. Donc Big Ben, je le rappelle que je l'ai vu il y a 2 ans, justement. Et là, je l'ai eu à Noël. Tour Eiffel. Voilà. Après, comme prochain monument, je sais pas encore exactement ce que je pourrais prendre. Peut-être la tour de Pise. Faut voir. Ou peut-être le mini opéra de Sydney. Parce que je vous l'ai pas dit, j'ai quelques origines anglo-australiennes et belges. Voilà, je suis français. C'était pas important, mais bon. Voilà. Donc voilà, bon bah je crois qu'on va se quitter dessus. Hein, avec les deux monuments les plus célèbres de l'Europe, si on peut le dire. Et puis voilà. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, vous pouvez poster un commentaire ou me suivre sur mon Twitter. J'espère que la review du canon AV7 vous aura plu, même si elle était un peu courte, il faut avouer. Et puis sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos et on se retrouve bien sûr pour demain pour la review cette fois-ci de la TAP. Et puis voilà, sinon bah je vous dis à bientôt les gens.